j'avais besoin de repartir sur quelque chose aussi de nouveau, donc voilà, là on repart vraiment de zéro. Ça fait déjà voilà, quelques semaines qu'on travaille sur le réglage du vélo. Je suis vraiment très satisfait et très excité aussi de travailler avec ces gens parce qu'il voilà, y a vraiment une équipe de grands passionnés, de très motivés au sein de Rock Rider et ça me donne de la motivation pour cette saison. Bah, les ambitions déjà dans un premier plan c'est toutes les Coupes du Monde et puis ensuite ouais, le fil conducteur ça reste les JO 2024 où l'objectif c'est d'y participer et d'être performant. Ça fait tout de suite un très gros projet qui donne beaucoup d'envie et beaucoup de motivation et donc bah, c'est tout de suite partant quoi. Les gros objectifs, c'est toutes les manches de Coupe du Monde, Championnat d'Europe et Championnat du Monde. Le projet était vraiment intéressant pour moi et vraiment dans la lignée de ce que je voulais faire pour les prochaines années. Toute l'équipe a les cartes en main pour avoir rivalisé avec les meilleures équipes mondiales et je pense que ça va vraiment fonctionner. Je suis un peu, on va dire, multicarte parce que moi, j'allie mes études avec le team. Je ne serai pas toujours sur les courses, mais donc voilà, c'est pour ça que je veux bien viser mes courses. Ça va être surtout les Coupes de France. C'est pas juste on vient tous juste faire entre guillemets notre métier et courir ensemble. Voilà, c'est une convivialité, un esprit d'équipe. J'ai eu mon année espoir, oui. Après, il y a eu la découverte de la catégorie élite. Donc cette année, vraiment, ça va être de réussir à franchir un peu le cap que j'ai pas encore eu au niveau élite, d'essayer d'intégrer les top 10 en Coupe du Monde. Et la sélection olympique est dans un coin de la tête et dans tous les cas pour les prochaines années aussi. Il y a vraiment une belle équipe. Il y a les moyens qui sont mis en place, les personnes sont impliquées. Je me réjouis de voir ce que ça va donner quand on va arriver sur les Coupes du Monde. Il n'y a plus qu'à être performant et faire notre travail correctement et ça devrait le faire.